5 joueurs à 4-0. 5 joueurs à 4-0 et on va essayer d'aller chercher le 5Z. Et on joue contre Burn Taco. Burn Taco. Ça donne faim. Ça donne envie de manger des tacos. Ça donne clairement envie de manger des tacos. Alors, il joue quoi, le bonhomme? Est-ce qu'on a un indice? Burnt underscore taco 77. Pionnier, Legacy. En Legacy, il joue UB Control. Il joue jamais en Vintage. Ok. Admettons. Un joueur qui ne joue jamais en Vintage. En tout cas, zéro résultat Vintage. On a un Serum Powder dans cette main, les amis. Serum Powder. C'est-à-dire que là, on peut mulligan gratos. On perd. Sinon, on a plein de contres. Ça se garde une main comme ça avec plein de contres. Non, on mulligan. On powder. On powder mulligan. On est sur la draw. On est sur la draw. Sans counter spell. Ça fait peur. La logique voudrait qu'en vintage, on ne garde pas ce genre de main sur la draw sans counter spell. Mais il y a un bazar. Mon intuition me dit que c'est un joueur qui ne joue jamais en vintage. Il a jamais fait de résultat en vintage. Il joue peut-être mono blanc initiative. Est-ce que cette main est vraiment bien? Qu'est-ce qu'on va faire avec cette main? On va piocher 2. Défaut, c'est 3. Il nous faut piocher un contre sur la première main. Derrière, on fait un wasteland. Je suis pas convaincu que ce soit bien. Je suis pas convaincu qu'elle soit bien, cette main. J'ai peur de la garder. Après, il y a un Bazaar of Baghdad. C'est les meilleures mains. Un bazar. Il y a un bazar en Wasteland. J'ai peur de faire une bêtise. Il est au courant. Ah, c'est un deck... c'est un deck Mishra's Workshop, je pense. Ok, y'a pire. Wow, cette draw. Oh, cette draw des enfers. Wow, oh, y'a tout. Y'a tout. On a tout. Oh my god. Oh la nuts. On a pioché les trois cartes qu'il fallait. On a pioché la force et la Venge Vine. Et ça, c'est le karma. Hier j'ai fait que des bonnes actions. C'est vrai que je vous ai pas raconté sur mon festival de techno de 13h là, toutes les bonnes actions que j'ai réalisées. Je vous ai pas raconté ça. J'ai trouvé un téléphone que j'ai rendu à sa propriétaire. J'ai trouvé une carte de crédit que j'ai rendue à sa propriétaire. J'ai trouvé des lunettes que j'ai pas rendues à sa propriétaire. J'ai ramassé du verre. J'ai ramassé des bêtises que les gens laissaient par terre. J'ai évité un conflit.
tu viens à tout à l'heure. Sinon, bonne soirée. Si je viens où? Ah, tu sors, Fitu? Tu ressors ce soir? T'as invité Krakendog? T'as invité Bilbo? Même lieu qu'hier. Je te dis après mon vintage challenge. Si je peux faire le 36 heures sans dormir, je vais bien essayer. Aïe aïe aïe. Oh là 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 là. Allez, non, concentration. Hein. On arrête les bêtises là. On arrête les bêtises. On va commencer par un bazar. Tac, tac. Tac. Il joue quoi? Il joue Urza. Urza Saga. Bon là le plan je pense c'est... J'envoie 6, il passe à 8. Il y a le létal au prochain tour. Je crois qu'il n'y a pas de scrupule là. Un tour. Je tue ça. Oh là là, on est le respect c'est fini. Brainstorm, ça va. Ah le respect est parti en miettes. Il aurait pu faire Orsige Beaumaster en fait en réponse à Bazar aussi. Il nous en parlait peut-être un peu. Loran Reveal Urza Saga Underground. Gitaxian Probe. Underground Sea. Lorien Revealed. Ah, le respect, il a bon dos. Hein. Le respect, il a bon dos. On lui casse ça. On n'a pas envie qu'il ait Black Lotus à son tour. On s'en fout. Vas-y, tiens, paf. Vas-y. Deux cartes pour une. Il défend ton Black Lotus. Là, il a une force en main. Et il va peut-être devoir dépenser sa force pour défendre le Black Lotus. Voilà, fini. Fin de partie. Au placard. Oh, la violence du truc. Oh la violence. People call it violence. Il y avait Lurus en compagnon? Il m'a révélé un compagnon ou pas? J'ai vu de compagnon moi. On peut avoir Lurus en... Non, c'est encore légal Lurus? Le 6-11-2023. Il y a un deck qui a Lurus en compagnon en vintage, là. Orsige Beaumaster, Lurus, plein de Mox, des contres, Loran Reveal, Urza Saga. Ça doit être ça. Il doit jouer un truc comme ça. Hein. Orsige, il joue Orsige Time Twister. Urza Saga, des Wastelands. Alors là, ça va être un peu différent des autres decks qu'on a croisés. Ça va être un peu différent parce qu'il faut respecter les contresorts, mais ça va. Il va falloir respecter le fait qu'il puisse casser mes bazars avec ces terrains-là. Et ensuite, il va falloir respecter le fait qu'il ait des Pitting Needle et Pandalaven. Ouais, non, ça c'est compliqué à battre. Ça, c'est un match-up qui est pas facile. Hein. Il a des basiques en plus. Je crois qu'on est obligé de rentrer. Ah oui, on est obligé de rentrer. Des trucs. Je pense qu'on doit garder les forces de vigueur. On doit garder le mid-step.
On est sur la draw. Je vais enlever ça. On garde des removals. Force of Negation, ça va me servir que à défendre pendant son tour. Ouais, faut défendre Pitting Needle hein, quand même. Qu'est-ce qu'on cut? J'ai 40 secondes. Deux routes, voilà. On veut garder Fury, on s'en fout de Fury, non? On met Petrified Field. Ghost Quarter pour le tabernacle. Bon, on joue ça, un pyrokinésie. Pour tuer Orsich. Je sais pas si c'est valable contre lui de jouer des... comment ça s'appelle ? Ah, Surgical, ça a pas l'air bien. Alors, cette main, elle dit quoi ? Elle dit qu'il y a un bazar, oui. Il y a une Force of Negation, oui. Mais il y a un Serum Powder aussi. Est-ce qu'on veut une autre main ? On a le droit à une autre main gratuite grâce à Serum Powder. Le seul défaut, c'est que ça m'enlève un bazar du deck. Deuxième défaut de la main, c'est qu'on contre pas tour 0. Troisième défaut de la main, c'est qu'on n'a pas de Wasteland pour le tabernacle, si la tabernacle. Je commence à faire beaucoup de choses qui me vont pas là. Après, si Wasteland mon bazar, je peux faire des Noxus pour récupérer bazar. Le bazar enchaîne sur force, enfin enchaîne sur Force of Negation. Mais je meurs sur Pitting Needle T1 quoi. Ah c'est powder ça. En plus je perds pas des cartes clés à part bazar. Ah c'est beaucoup mieux ça. Il y a Mental Midstep pour la Pitting Needle du tour 1. Mindbreak Trap, ça et de la value ici. C'est parfait ça. Les lines. Oh. Oh. C'est ok les lines en vrai. Les lines, Black Lotus. Oh. Arrêtez-vous monsieur. Ah ouais, si je fais Bazaar of Baghdad et qu'il fait Orsich Bowmaster là. Ai-je vraiment le choix? Ai-je vraiment le choix? Faut que je joue mon jeu quand même, non? Ouais, mais on va pas gagner. On va pas gagner avec ça, hein, de toute façon. Bon, Si la tabernacle, on perd et puis on accepte. Oh, Force of Will. Qui pitch Buster Storm. J'en ai deux. J'en avais deux. Ok, c'est good. Son deuxième spell hein. Je peux pas faire ça hein. Ok, tu pièges 3. Ouais, il a craqué un Black Lotus. Non. Et c'est pas mal.
Putain, il y en a qu'un, il y en a qu'un, il y en a qu'un. Je vais me dire que sur les trois cartes, il l'a pioché. Oh, aïe, 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 dur, dur. Ouais, bien joué. Bon. La partie commence maintenant. Force de vigueur sur les deux ley lines. Et on joue cette game en value. Bah ouais, hein. Il a accès à deux mana. S'il a un contre supplémentaire, ça va pas le faire. S'il a Orsiche maintenant, j'accepte. Wasteland sur Tabernacle. Il y a deux cartes en main. Je pense que le Mindbreak Trap sert plus à grand chose à ce stade, non? Par contre, le Wasteland est essentiel. Let's go. Il joue des Leyline. C'est méchant. Leyline of the Void. Démonic Tutor. Ah. Ah. Il peut pas prendre Black Lotus. Honnêtement, ça fait pas peur. Quand tu dis ça. Honnêtement, même pas peur. Je suis sûr qu'il est allé chercher un Polluted Delta en plus. Manifold Key. Ah. Off. J'avais trop peur, Manifold Key. Alors, on va remonter ça. On a un Noxious Revival. Est-ce qu'on a besoin de tuer Tabernacle maintenant, en vrai? At some point, faudra. Mais est-ce que c'est maintenant? Peut-être pas, hein. Zéro respect, vas-y, je casse pas le Tabernacle. J'essaie de lui casser ses landes. De remonter ça. Là, on a dit qu'on partait sur une game en value. On peut récupérer Wasteland fin de tour. Récupérer les Master of Death. Pas Wasteland ça. J'aurais dû le faire avant, mais bon. Tac. Upkeep. Noxious sur Wasteland. Et là, on est bien. On a établi une domination qui est complètement totale. À coup
coup de Squee et de Bazaar. Je peux attendre. Je peux attendre. Et je crois que c'est bon. C'est réglé. Sol Ring. Du mana, ça ? Je veux du mana ? Ok. Time Vault. Time Vault, il y a la Manifold Key ici. Vas-y, hein. Pas plaise, bro. Alors, on peut défausser ça, ça, ça. Lui, poser ça. Tolarian, ah oh non, pas Tolarian Academy. Oh. Non. Marie. Ça, le vrai bonheur en fait. Je fais 4. Ça, le vrai bonheur. N'en parle pas assez. N'en parle pas assez du vrai bonheur. J'ai pas une Vengevine au cimetière. Tasse. Et on a gagné au prochain tour. On a battu Tabernacle. Tabernacle of the Pendle Veil. Donc ça, vu que j'ai pas de mana et que toutes les bêtes meurent si je paye pas un à l'upkeep, ça me déboîte. Déboîte, clairement. Et c'est le 5Z. Yes. Le 5Z-o. Aïe, aïe, aïe. C'est beau, elles sont belles ces games. Fait plaisir.